On passe au prochain adversaire et donc c'est la dame de crâne. Alors je suis hanté, lorsque le joueur achète un nouvel objet, il reçoit une malédiction. Ah merde. Tous les machins étaient persuadés d'offrir des objets moins chers. Ah. Ouais, donc ça m'oblige quand même à faire ça. Peu de nécromanciens possèdent cette compétence ou le courage de créer une telle créature. Car tout faux pas durant la cérémonie peut entraîner une mort atroce et douloureuse. Ok, mais écoute. So much death and sorrow in the world. Can you hear the winds keening in loss? Can you hear the dirges as the trees and the earth cry out in sorrow? This is the Queen of Skulls, and that is all she can hear. It has driven her to madness. Her touch is the promise of death, and I say to you, you were warned. Farewell. The lands of the Queen of Skulls are unhealthy for the living. Oh putain, c'est quoi ça? Ça a l'air chaud. Bon, je pense que ça va commencer à être plus dur maintenant, j'espère. Ça va bien écouter. Les petits mélanges. Putain, j'ai l'air fort les points. J'ai vu les trois étoiles. Few have reached the depths of the game that you have attained. They were too weak or too inflexible, too passionate or lacking in the necessary will. You are different. Oh pardon. Je voulais prendre mon inventaire. Ah ouais, un autre recul. Ah mais j'en ai deux. Toutes les cartes de rencontre apparaissent lorsque vous arrivez aux escaliers suivants. C'est sympa ça, attends. Vas-y, prends-moi ça. Moi, je vais le mettre ça. Ouais, d'accord. Cool. Rôle du roi gobelin. Oh, mais non, mais pas cette merde, quoi. Non. Let us stake a token on their foolishness. Ah, mais j'ai toujours pas viré cette espèce de merde. Où je vire cette merde parce que putain je comprends pas en plus. J'aurais regardé sur internet parce que trois fois on a fait de merde putain. Je m'en fous. C'est bien, hein, je peux pas prendre les 50. Ah oh, merde. Concrètement on fait ça pour rien. Il faut peut-être y aller tout le temps. Marqué. On va tenter. C'est peut-être cumulable après tout. Or c'est. Oh, tu m'en fous. Non, non. Ah, c'est tort. Ah, mais ça te fait. Putain. Oh là là. Ah, mais putain. Là, je vais 50 ans.
Putain, c'est bien 50 qu'il fallait, non? Sans voir votre secteur. Beau travail, mon garçon. Maintenant, déguerpissons avec le roi des gobelins se doute de quelque chose. Voilà ton or. Ah bah, c'est bien, piece of the puzzle for you. Il va pas finir ma vie, cette espèce d'enculé, putain. Orche sacrée, donc c'est un nouveau truc que j'ai eu. A brotherhood of peace in the service of war. Offrir de la paix au service de la guerre. Never trust a priest. Dans une plaine isolée et sableuse, vous tombez sur les ruines d'un vieux monastère. En fouillant le bâtiment, vous rencontrez un vieil homme, vêtu de robes sales. Il y a longtemps, notre confrérie forgea des armes sacrées pour soutenir la guerre contre les infidèles. Mais ils étaient très forts, et hélas, l'une de leurs expéditions nous prit par surprise. Ils détruisirent une grande partie de notre ville et s'emparèrent de nos matériaux, notamment le minerai de métal rare utilisé pour fabriquer nos armes. L'armée du roi ne revient jamais après ce jour, je ne sais pas ce qui était devenu d'elle dans les années qui suivirent. Je suis resté toutes ces années avec pour seule compagnie les fantômes. Tous ceux qui ont survécu sont partis il y a bien longtemps. Faites vos adieux aux moines et c'est seul dans le silence des ruines vides. Mon avis, il faut que je chope la carte du minerai que j'avais vue. Boutique. Of course. So few trade in the land of death that deals are easy to strike. La demoiselle. Un jour, dans une forêt ombragée, vous rencontrez une jeune elfe. Elle s'arrête pour vous saluer. Je demande à être bénie. J'en appelle toutes les forces de mon peuple pour protéger notre aventure. Coup critique. Many of these blessings are too good for the likes of you. N'oubliez pas, mortel, que les héros courageux permettent d'écrire de belles balades, mais ceux qui vivent réfléchissent à deux fois avant de se mêler aux affaires du vieux des monstres. Des dieux des monstres, pardon. Le marin d'eau douce. Donc ça va être la suite. I will happily wager on the outcome. I do not think you have. De l'affaire du cargo, là, où on avait interrogé la capitaine. Vous retournez au marin d'eau douce et le trouvez encore plus vite qu'avant, si cela est possible. Carlo aime beaucoup le récit de votre voyage à Montertre. Vous expliquez qu'on vous dit qu'un flibustier était nécessaire pour obtenir plus d'informations sur les navires disparus. Carlo rit, ce n'est pas un flibustier, mais le flibustier. C'est un fournisseur d'informations. Il sait quoi que ce soit sur les navires disparus. Il peut nous le dire, mais cela a un prix. Oh putain, j'ai rien du tout. Je donnerai ce que je pourrais pour le flibustier, mais comme vous le voyez, l'auberge ne fait pas de moi un homme riche. Vous pouvez me le payer avec n'importe quelle monnaie, le flibustier changera toutes les rumeurs et les commérages. Moi, je ne paye pas. Le flibustier est la seule option, on devrait accepter son prix si nous voulons en savoir plus. Heureusement, j'ai rien pour lui filer. Je peux lui filer 20 ou nourriture, j'ai pas de sous. Marché. Ah, d'accord, on appuie en dessous. Head downwards, if you dare. Est-ce que je vais au marché? Non, je vais aller au marché. I'm surprised to find the recollection of a closed marketplace amongst your treasured memories. Des aliments aujourd'hui. Vous pouvez en donner, mais rien de garanti à côté d'or que vous recevrez. Écoutez, je vais en vendre la moitié. Placez la moitié de vos aliments dans un sac apporté par l'un des fournisseurs. Vous écartez en attendant la fin de la vente. Je tourne la carte maintenant à vous. Un homme se proche de vous avec un coffre contenant d'or. Il a acheté vos aliments. Oh putain, grand échec réussi. Je crois que ça va me planter. Choose from these options. Ouais. Ouvrez le coffre et découvrez de l'or. I'm sure you are grateful for that. A little gold to give you a taste for it. Pourquoi j'ai perdu beaucoup de bouffe, hein. Est-ce que je peux le revoir, lui? Non. Merde. Deeper towards our foe. I did not create this game, you know. I have merely perfected it. You have begun to understand my innovations. Alors que vous détendez dans une taverne locale, trois hommes masqués surgissent, se saisissent d'un jeune homme et le conduisent à l'extérieur. L'un des clients proteste, mais leur lourd regard des hommes le réduit au silence. Laissez-les faire, Garrett. C'est son heure, il faut laisser faire. Oui, mais je l'avais déjà fait, ça, et je m'étais planté, oui, je suis. Vous suivez les assaillants jusqu'à l'extérieur, mais c'est une foule d'hommes masqués qui vous accueille. Leur chef s'adresse à vous. Eh là, étranger. J'apprécierais que nos actions n'aient pas de témoins. J'ai bien conscience que, vu de l'extérieur, notre comportement puisse sembler louche. Nous n'avons aucune idée de ce que nous traversons. Alors ne vous en mêlez pas. Je ne le demanderai pas deux fois. Nous n'avons pas le temps pour les protestations. Les hommes masqués quittent l'endroit. Embarquent le jeune homme. La lumière sépulcrale de leurs torches. Vous laissez prendre de la distance, puis suivez leurs traces dans la forêt.
Lorsque vous les retrouvez, vous constatez avec surprise qu'ils sont réunis autour d'un portail béant qui tourne dans une aura terrifiante. Donc vous vous rappelez, c'est la cérémonie. Donc moi j'interromps la cérémonie. Vous surgissez de votre cachette, suppliez la foule de ne pas poursuivre leur étrange rituel, quel qu'il soit. Mais ils ne vous écoutent pas. Leur chef vous interpelle. Cet homme étant persuadé que l'un des nôtres ne devrait pas partir pour les enfers, peut-être devrait-il y aller lui-même. Immédiatement, les hommes se saisissent de vous et vous poussent vers le portail. Vous avez beau vous débattre, ils sont trop forts et trop nombreux. Vous trébuchez à travers le portail. Vous tombez doucement au sol. Vous êtes dans une forêt en tout point semblable à celle que vous venez de quitter. À deux exceptions près. La foule d'hommes masqués a disparu et le ciel brûle de flammes rouges. Des bêtes infernales émergent du ciel de soufre. Oh, chien des enfers, j'imagine. Je ne sais pas si le petit logo au-dessus de la carte est un signe de quête optionnelle ou alors un signe d'une extension qu'il fallait acheter. Je ne me rappelle plus. Voyons un peu quoi ça ressemble. C'est chiant. Merde, mais... Putain, ils ont de la vie, c'est cool. Un petit peu de stuff là, un peu de bouffe, ce serait bien. Après que vous ayez détruit les bêtes infernales, le portail s'ouvre de nouveau. Le vortex vous aspire et vous renvoie de la forêt d'où vous êtes parti. Bon, malheureusement, je ne reçois juste le jour de carte. Rituel maléfique. The more powerful the site, the more vile its trespasses. En fouillant les tombeaux sacrés de Flanmar, vous rencontrez un groupe de squelettes en plein rituel maléfique. Trois cartes monstres. C'est des merdes. Leur attention semble être centrée sur un sarcophage de pierre fermé. Bon, écoutez, moi j'attaque. Vous approchez prudemment des démons morts-vivants et chargez d'un seul coup. Vous devrez avoir l'initiative quand même. Hein. Bon, c'est des squelettes niveau 1, on va les défoncer. Hop. Coup de hache dans le genou, il n'y a plus personne. Leur bouclier, ils vont le défoncer en un coup. La vie. Putain, il touche en Avec le dernier os tombant sur le sol de pierre, vous réalisez que vous êtes intervenu trop tard. Le sarcophage est en train de s'ouvrir doucement. Vous attrapez d'un geste vif ce que vous pouvez avant de fuir la chambre. Oh, puis j'ai deux cartes équipement. Poignée leste, augmente la vitesse de défense. Faster is always better. Défense légère, en combat chaque coup subi augmente votre vitesse et la puissance de votre arme. Ah, mur de berserker. Moi je m'en Really? Is that what you're going to do? Une fois dehors, vous entendez un cri perçant monstrueux qui entre à vos rêves à jamais. This tale begins, and then proceeds relentlessly. With each step, you will discover a new card and a deeper mystery. Oh, tu es fou. En plus, tu gagnes rien à la fin. En plus, j'ai plus de nourriture, c'est un peu la dèche. Que je fais Ah putain, il est... Putain, l'archipel.
ça, putain, une force infernale. Putain, une super mal. J'ai perdu quasiment toute ma vie, j'ai pas de bouche. Oh putain, c'est la neige. Faut que je vire le. Faut que je paye le mec des Omra qui me les vire. Ah non, je gagne de la nourriture. Ah ouf. Ouais, 3, ils m'en font plus. Bon, ça va. On va aller en bas. Boutique, bah écoutez, on va quand même aller à la boutique. A permanent discount for those willing to endure the local color. Normalement, si j'achète quelque chose, je vais être maudit. Mais il va me falloir de la bouffe. Je peux pas. Super chiant. 5 aliments pour 18, ça. Oh, je remonte de la merde. Je remonte devant ça. Ouais. Fléau des morts vivants. 30, alors que moi mon âme, c'est un peu de la merde. Un peu de bouffe. Voilà. Histoire que. Hop, c'est bon. Le joyeux tonneau, donc c'est la suite du Minotaure. La quête, vous savez qu'on devait traquer le Minotaure. This token will unlock more cards if you can defeat this encounter. À votre retour au joyeux tonneau, vous repérez le chasseur, dans un coin sombre du bar. Une bière tiède se refroidit devant une chaise vide, et une grande quantité de chopes vides vous indique que votre arrivée est attendue depuis longtemps. J'ai commencé sans vous, dit l'homme joyeusement, mais sans relever la tête. Il devait bourrer. J'ai des questions à vous poser, vous avez des questions à me poser. Ces questions font des histoires. Les histoires rappellent des souvenirs. Et je ne peux pas encaisser cela sans beaucoup de celles-ci. Non, c'est lui qui parle encore, pardon. Il fait clinquer sa chope contre les autres, vide, et produit un drôle de son discordant. Asseyez-vous, vous me faites passer pour un homme sans manière. Compte tenu du fait que vous m'ayez traqué entre forêt et vallée, j'imagine que ça ne servira à rien de tenter de vous dissuader de l'intérêt de cette chasse. Je sais ce que vous ressentez. J'avais 5 ans quand j'ai entendu pour la dernière fois l'histoire du vieux blanc. Pardon, c'est comme ça que je l'appelle, le Minotaure blanc. Le chasseur vous livre alors un conte de destruction et de deuil, un conte qui se déploie sur les décennies. Au bout d'un moment, il sombre dans le silence, comme une rivière asséchée. Je crois que j'avais repéré sa trace lorsque vous êtes tombé dans mon piège. Allez donc faire un tour dans la forêt et voyez ce que vous trouvez. J'ai des affaires qui m'attendent ailleurs. You have earned this. Merci. J'imagine que la forêt, c'est la carte en haut, là-haut. Je vais aller ouais, dans la boutique. I am not surprised they have difficulty selling their wares here. Si. Ça doit être là, la forêt. Hop. Ah non, le concile blanc. Vous vous rappelez, je m'étais enfui dans leur laboratoire. Le concile blanc 5. Les mages du concile blanc ont été mobilisés. Zahagan, si c'est encore en vie, voudra prendre sa revanche. There's a token in it for you, if you win. Un jour, alors que vous marchandez avec un épicier, vous retrouvez soudainement en train de flotter dans les airs. Un vortex de vent vous encercle et vous embarque vers une destination inconnue. Finalement, vous la projetez sur une plateforme de pierre, face à Zahagan, le sorcier. Il vous transperce son œil unique, l'autre n'étant plus qu'une cicatrice hideuse. Vous avez fait beaucoup de tort à cette contrée, guerrier. Le concile ne souhaite rien d'autre qu'à ce que la paix de ce royaume, et vous avez amené le chaos. Encore maintenant, le démon Abaddon passe sa rage dans la tour. Le temple sacré de la connaissance lui-même, il nous fera des années pour réparer les dégâts. Oui, il y avait le démon qu'on a libéré. Il fait un geste de main, vous constatez qu'il manque plusieurs doigts. Vous constatez qu'il manque plusieurs doigts. Et un portail s'ouvre, dévoilant un trio de mages. Tuez-le, dit Zahagan, avant de passer le portail en boitant. Donc Zahagan semble être le chef du concile blanc. Pas trop fort parce que. Ouais, c'est cool. Ils vont attaquer à distance. Je sais pas comment ils attaquent, on va bien voir. Normalement, ils devraient pas avoir de vie. En même temps, ils sont stuff. Ils sont stuff. Ah, il est pas mort l'autre! C'est bon. Ah,
C'est parce que j'ai foutu, je vais le pousser. C'est parce qu'il a un cancer, mais l'autre, par contre, il m'a touché. Ça va, je les défonce. Bon, c'était pas trop fort les mages là. À mon avis, doublé d'un mec qui est tank, qui doit être chiant. Zagan réapparaît soudain furieux, débordant d'énergie magique. Guerrier, les talents pour le combat ont fait de toi une sérieuse épine dans mon pied. Il marque une pause, donnant un coup au corps sans vie de l'un des mages. Imbécile, sans ses idiots soient toujours en train de se terrer dans leur tour comme une bande de bibliothécaires trouillards. Voyons comment tu vas te sortir de là. Instantanément, un bouclier d'énergie magique verte apparaît autour de lui et se lance dans une série de sons et de gestes complexes. Une puissante boule de feu se forme dans le ciel juste au-dessus de vous et se met à grandir alors que le sorcier poursuit son incantation. Va au diable, s'écrie Zagan, disparaissant à travers un nouveau portail tandis que la boule de feu descend vers vous. La dernière minute piégée, vous jetez par-dessus le bord de la plateforme de pierre. Après une chute de quelques secondes, un tentacule surgit d'un portail et vous renvoie dans la tour du Concile Blanc. Abaddon, le démon, est assis là, encerclé par les corps de plusieurs mages. Il vous dépose délicatement, le tentacule s'éloigne de vous. Tu t'es révélé utile, mortel. Tu t'es révélé utile, mortel. Come now, hurry up. We don't have forever. Et tu ne seras de nouveau un jour. Va maintenant. Vous quittez la pièce sous une douzaine d'yeux sans paupières. Vous quittez la tour, ralentissez à peine pour piller les champs blessés à la bandeau. Ah, je gagne une carte bien. 5 points de vie max. A little extra health, but it is only a momentary respite. I don't think the mages will forgive your transgressions there. Je ne pense pas que les mages seront d'accord avec vos transgressions. J'ai pas trop lu ce qu'il a dit. Parce que j'ai eu un trophée. Fuite par la grotte. Caves and caverns. One cannot hope to find adventure without a little delving now. Une grotte froide et menaçante se tient entre vous et votre objectif. What brings you to play the game? Qu'est-ce qui vous amène à jouer? I know you will not tell me. La YouTube like monnaie, all the rest, lol. You are silent. Vieux cimetière. Est-il are you indien? Afraid of the grave? What irony. Dans un vieux cimetière abandonné, les esprits agités sentent la présence d'une âme bénie et restent calmes. Vous passez une nuit paisible et vous réveillez guéri de vos blessures. Oh putain, c'est cool ça! Oh putain, c'est génial! Franchement, super! Ah, pour ces cons, putain! Oh putain, 6 de peste! Oh, fais chier quoi! Il faut que je paye au mec, là j'ai de l'argent pour payer, vous savez le vieux noble là qui on s'en débarrasse en payant. Ça fait chier combien de temps. Oh putain, attends. Putain. Il y a des archers là-haut. Oh putain. Ah bah attends, je suis tellement cher. Oh putain. Ah merde, vous avez tué. Ouais, j'ai perdu toute ma vie sur ce combat de merde. Vous avez eu. Ouais, fallait que je cible les archers quand même. Ah, j'ai quand même de la nourriture, c'est bien. Waouh, super. Merci. Écoute. Prêtre serviable. Eh hey. Non, j'ai rien à foutre. Pas la moitié de mes aliments, j'ai rien du tout. Dépouille de héros. So often this is how the story ends, is it not? The hero tries, the hero dies. Their memory is celebrated. But they are lost. C'est vrai. Mais les gens sont remplis. Les cimetières sont remplis de gens remplaçables. Non, attends, c'est comment le truc? Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Vous passez devant un enterrement. Il est évident devant la longueur de la procession que c'était un grand aventurier. L'ecclésiastique s'approche de vous. Ce grand héros est mort en défendant notre cher village de Flanmar. Son épée, son bouclier, son artefact puissant. Mais il doit être rendu pour accomplir les rites funéraires dans les règles. Accepteriez-vous de les prendre? D'accord, je les prends. Merci, sa famille nous sera très reconnaissante. Ce village aurait été révolté de ne pas les récupérer. Ce n'est pas loin de leur village. Demandez à parler au curé une fois que vous y serez. L'âme de viking. Such an elegant use of rage and anger. You wouldn't expect it of the barbarian hordes.
Non, j'en équipe pas. Oh putain, j'en équipe pas parce qu'il faut que je les donne. Non, non. Et dépêchez-vous. Fardeau, après 5 pages. Ah. Oh, quoi? Let us see how you progress with that millstone around your neck. Of course, you can remove your curses at shops if you can find them. Still, I'm keen to see how you handle your disadvantages. Putain, c'est quoi cette merde? Retour du héros. Alors si je fais 1, 2, 3, 4, 5. Non, bon, on va y aller directement, hein. Tant pis pour la carte là-haut. Retour du héros. Hop. Look. Look deeply. This is the fate of heroes. Vous êtes à Sanmar, village natal de l'aventurier mort. Le curé vous accueille aux portes du village et semble monter la garde. Je vais tout lui ordonner. Merci, cette épée pourra nous être portée avec justesse et fureur. Avez-vous également son bouclier? Et je lui rends aussi. Vous avez vraiment réalisé l'œuvre du Tout-Puissant en rapportant ce bouclier. Et donc il me donne deux bénédictions. Cool, volonté des dieux. Au début du chaque combat, un adversaire aléatoire est mis en évidence. Cette créature est la première à mourir, elle génère 5 pièces d'or. Oh, c'est un aliment pour chaque lézard tué. Useful. Ouais, bon, c'est un peu de la merde ce que j'ai reçu quand même. Vous avez fait une action charitable aujourd'hui. Ah merde, j'ai pas eu le temps de lire, pardon. Our hero needs sustenance badly. Ah ouais, j'achète de la bouffe. Il faut toujours faire le bien. Alors, combien d'aliments tu me vends? Putain, c'est cher. Ah, moi, je m'en fous. Hein. Je m'achèterai un autre. J'ai encore une arme de merde. Quoi. Il me faudrait que je m'achète une arme ou que je trouve une bonne arme. De toute façon, l'arme du mec, là, l'arme viking, là, la con, elle était pourrie. Et on pouvait pas contrer avec. Hôte maléfique. Oh, tant pis, je le ferai une autre fois. Faut que j'avance. Roaming ever forward. Hunting for the truth. Vous embarquez à la suite de votre aventure. I hear nothing but the sounds of mourning. She is close. C'est pas mal, l'empêche. C'est de plus en plus long, de plus en plus dur, c'est sympa. Noble d'affaires. Ah oui, j'ai déjà rencontré lui. Win this and claim my token. Un noble s'approche de vous sur un char alors qu'il remontait les rues de Stigal. Il vous remarque et s'arrête. Donc il veut mon armure. Bah écoutez, je vais lui vendre. Le noble attend patiemment que vous enleviez votre armure et vous lui donniez. Ça devrait lui plaire une fois que j'aurai nettoyé, bien entendu. Vous vous rappelez, il voulait. Profitez bien de votre nouvelle fortune. Putain, je gagne 4 or. Par contre, j'ai perdu ma. Oh putain, plein d'argent. J'ai perdu mon armure, par contre, ça fait chier. More gold for you. And with it, more problems. Ce que j'avais vendu l'autre armure, putain, ça fait un peu chier. Boutique. Hein. J'y retournerai plus tard. Il faut pas que je tombe par contre sur le monstre. Hein. Je pense qu'il est au milieu. Charité. A challenge for you and a token. Voyez un prêtre if qui se promène le long de la route. Il demande de la nourriture pour nourrir les orphelins. Les dieux sont favorables à ceux qui les aident les moins privilégiés. Bah écoute, je vais t'enfiler. Le prêtre regarde votre petit doigt un instant et soupire. Oh, quel bâtard, t'sais. Enfin, un, c'est ce que j'ai que ça. Ouais, bah échec, oui, bah c'était sûr. Oh, il me donne une bénédiction, c'est bien. Il m'a vivant qui frappe physiquement. I made that a little too powerful. I will have to rebalance that. Ah, j'ai déjà tombé dessus. Je devrais la rééquilibrer. Faut que je me rachète donc de la, malheureusement, de la nourriture. Je n'ai plus assez de nourriture. C'est pas gênant puisque de toute façon j'ai pas mal d'or. Là, j'ai 141 en or. Il faut que je tombe sur le roi là, le roi des rats là. Je peux juste lui filer son truc. Ah. I'm sure you are grateful for that. Que vous en êtes reconnaissant, ouais, c'est ça. Ok, bon, on va aller vers le bas du coup. Ah, bah j'ai déjà eu Héros de Bresbourg.
On rencontre un aventurier blessé. Mais je les avais déjà fait, je crois. Là, je vais regarder. Oh, des mon merchants de la merde. We play for a token now. Une nuit dans vos rêves, vous êtes invoqué près d'une fosse enflammée, moi démon vous accueille. Je perçois une aura spirituelle sur vous, je pourrais vous échanger un objet magique contre cette aura. Ok. Le démon vous regarde d'un air affamé, il ouvre sa gueule de flamme et vous sentez les bouts de votre âme être aspirés dans l'abysse infernale. Délicieux, se réjouit le démon. Contrat de mercenaire. This card will unlock more cards, and then still more. You must dig deeply if you wish to discover the heart of this mystery. Vous avez attrapé les pierres du village de Vesbourg. Par un geste, nous partagerons le butin avec vous. Non, je m'en fous. Ah, je l'ai déjà fait celui-là. Bon, on va le refaire. Je sais pas pourquoi il me l'a conservé dans mon truc, j'aurais dû le virer. Oh cool, on se bat dans une taverne. J'ai activé mon truc pour avoir des échecs. Et vous pouvez. Allez les aliments, cool. Encore des aliments, nickel. Ouais, c'est bizarre qu'il ne l'a pas surpris. Encore une boutique. Oh là là. Le jeu est vraiment sympa, hein. Je vous conseille quand même. Minerai de métal. Sparse and relatively empty. Mostly we skip over these moments in our memory. Particulièrement ardu. Vous remarquez un ravin sombre. Allez chercher. Dans l'obscurité d'un canal étroit, vous trouvez les restes d'un ancien chariot. Il a dû tomber il y a bien des années. Vous ne trouvez rien de valeur ou qu'un bout de minerai scintillant. Il a peu de valeur, mais peut-être quelqu'un pour lui trouver une utilité. Ah, outre maléfique, j'étais déjà tombé dessus. Even I am unsure where this thing springs from. Votre chemin est bloqué par une masse maléfique de tentacules et d'yeux. Le mouvement me pousse à vue d'œil sur cette chose qui tente de vous atteindre. Je vais l'éviter. Moi j'ai pas confiance en cette saloperie, moi j'ai pas confiance en tout partout. Ça nous oblige à faire le tour, mais bon, c'est pas bien grave. Hop. Hop. Ah, direct. Face death and learn your fate. Un puissant squelette guerrier doté de la capacité d'invoquer l'état de crâne pour créer des légions de squelettes. Again, a token is at stake. On va essayer de l'abattre. Moi, j'ai pas une super arme et j'ai pas de super truc. Écoutez. Et j'ai plus d'armure, non, il me semble. Merde. Aïe. Ok, crâne x 4, c'est pas évident. Oh putain, elle a un tronc long. Elle va tirer de loin. Oh, fiche. Battu ?
Mais t'es nul à chier. Ah bah c'était pas compliqué, écoutez. Franchement, je suis déçu. T'es nul à chier. Je l'ai défoncé, mais tellement rapidement. Je crois que j'avais une bénédiction. Then it is done. When even a creature as haunting as the Queen of Skulls perishes, we know the game is almost done. The kings are gathering now. Do you see now what I have built? Eh ben, je l'ai défoncé. How elegantly all the pieces fit. Oh, il est Monsieur Lionel. Ah oui, putain. Hall du Roi Gobelin 3. Eh ben. Pour négocier sur le marché, vous recevez... Ouais. Les faveurs d'un marchand. Okay. Ah, ça, c'est la quête du bateau. Non, pour explorer les enfers, vous recevez... Alice au pays des horreurs. Énorme. Pour interrompre le rituel maléfique, vous recevez la liche. Oula. J'ai peur. Pour rencontrer le chasseur, vous recevrez... D'ailleurs, je vous dis déjà d'avance, je vais acheter le 2. Existence of Fate 2, je vais l'acheter. Je vais déjà finir le 1. Piste en ville. Pour vaincre le fossile blanc. Ah, j'ai fini. Vous recevez... D'or, gants de mage, masque de mage, lapin aussi. Pour apporter une pébine au vieux cimetière, vous recevez potion de vie et son spirituel. Pour rendu les biens du héros tombé de Flanmar, vous recevez 10 pièces d'or par bénédiction. Critière, ok. Pour négocier avec le Dol, vous recevez bonne fortune, les amants. On a fait beaucoup de choses. Pour donner la satisfaction aux démons marchands, recevez les cartes Anneau en or de douleur et démon marchand vieux. Pour avoir vaincu la dame des squelettes, je reçois Dame de Pèse, mon futur ennemi, et le dôme des lézards. Et maintenant, je reçois coupe flèche, caprice mortel. D'accord, c'est pas parfait. One more round. You have earned it. Effectivement, je l'ai bien mérité. Merci d'avoir regardé, on se reverra la prochaine fois. Ciao !